Anna D. Anna Anna. Big Foot Sarovino. Aka Tombe. Tombe à mettre, mais. Bienvenue à City. Au milieu du marché. Retour sur Cotonou. Deuxième souci avec la voiture encore. On va dépanner. Dépanner, t'aimes le cas de coupons. Ils vont juste la police, le salaire de police. Décidément, ça va passer. En fait, les plaquettes chauffent. Venu chez le mécano. Puis Dieu dit que c'est terminé, donc on s'en va. Ça n'a rien de grave. Donc on va monter, on va aller à Cotonou. Les écologistes, El Pidio a acheté Cabri, ils s'en vont les tuer. C'est El Pidio. Qu'est-ce que tu veux? Alors on est encore en panne une seconde fois. Cette fois c'est le moteur qui a failli nous lâcher. Du coup nous sommes dans un garage. On fait la vidange. La voiture est garée quelque part là-bas. On patiente le temps d'avoir un bon. Enfin qu'on nous finisse la vidange, on va se dire. Voilà, au garage. Bon, et puis je dis que c'est terminé encore. C'est bon? Mi piowa le best pas les bras des te on awa fait qu'on doit sortir combo de wiwa ouais pour les blancs noirs sans vie à l'ogonawa. La route est longue mais dis-toi qu'elle a une fin, il suffit de croire pour finir avec la misère. Pas de magie, seul le travail l'hiver. Écoute mon rap en boucle, il est rempli de bienfaits. Wezuna la fia, c'est l'important. Nos vies mag bafona au vec on a 20 ans. Dei tu on a wa et n'y en d'autres tendants. Demain tata we yok belo de ton démon. Aje ton men wa dona ike noa vivo. Eme nye wedo, balari bi wedo. Wezon bon fontek be on non wa so. Gono de jido kome vano mo. Direction le marché Copa.
deuxième femme de la journée. Let's go to Benin. Jaboué Mohamed, Jaboué Isa, Jaboué Adam, et à toute la Mifa, Kenya, Salim Nadei. Yo, je suis dans les plus grands marchés de Cotonou. Pour juste prendre des souvenirs, on va prévenir de faire attention. Que on va aller vivre là, on va balader assez tranquillement, prendre ce que je peux ramener, et ramener ce que je peux ramener. Parce qu'il y a comme souvenir, on va dire, assez bien. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que je vais Alaska. Nos routines. Tu vas acheter ce qui est là. Acheter le pain de maman. Acheter un autre cadeau pour Ami. Bon les gars, aujourd'hui j'ai réussi à rentrer. Les Béninois m'ont pas chassé. Donc on va essayer de visiter ce qu'on peut. Trésor royaux. Moi je suis même pas inscrit. Hein. La dernière fois que je suis venu en fait, on m'a refoulé d'avoir. Jean, ils m'ont dit que j'étais pas inscrit et tout. Enfin. Moi j'ai essayé de me fondre dans la masse, un peu comme une famille béninoise, pour voir. Ah, je suis rentré à l'expo. Papa. Je me rends à l'expo. Apparemment, je suis en retard, il y a un monde fou. J'ai réussi à rentrer. En fait, ils ont contrôlé la caméra. Ils m'ont dit, Jean, de faire une photo avec la caméra, Jean, de montrer que c'est vraiment l'appareil photo, quoi. Tu vois les trucs. Bon, tu vois plus mon sac là, c'est parce que Jean, ils ont pris mon sac. J'ai les chap. Ah, c'est beau. C'est un gros bâtiment. Ah, mon frère. Oula, bah. Ça, c'est les méchants, méchants de Cocody. Bon.
Le monsieur avec ses enfants, avant, il m'a régné. C'est-à-dire, je me suis collé à eux, genre, c'est ma famille, quoi, tu vois le truc. Arrivé au contrôle, le monsieur dit carrément, non, je ne le connais pas, nous ne sommes pas ensemble. C'est fini. Alors, vous n'avez pas la chance. De 10h à 18h le week-end. D'accord. Vous n'avez pas la chance. Il est 18h. Oui, il est 18h15. Il y a même plus personne. Je vais suivre, attendez. Comme d'habitude, c'est chèque et mat. Elle est mis dehors comme un mal ça. Le Seigneur m'a dit c'est possible, puis on ira. C'est pas possible demain. Monsieur, merci beaucoup. Hein. Bonsoir. Merci beaucoup. Hein. Les amis, comme quoi, faut forcer le destin, quoi. Les photos sont autorisées, mais sans flash. Ok, passez, passez. Poisson. Mais il faut pas toucher. Enlève la main de cette histoire. Ne te colle pas à moi. Ok, ces quatre potes fils sculptés sous le règne de Brûlé 1858-1889 par l'artiste royal Sosa Dédé. Elle marquait probablement l'ouverture des ouvertures de la Djolala. On peut aller là-bas. Les statues. Et le roi Béanzin. Alors les gars, hier j'étais à Abomey. Abomey pour voir la statue du roi Béanzin. Et on dit que ces statues là représentent en fait le roi Béanzin. Moi je vais voir en esprit. Ici. Là,
juste avant de prendre un vol pour la Côte d'Ivoire en fait. C'est vraiment extraordinaire. C'est un peu comme les statues, vous voyez les statues dans la ville de Cotonou. Ce sont généralement les statues géantes, on va dire. Et là en fait, ça veut dire que depuis plusieurs années, en fait, les Béninois avaient l'habitude de faire des statues assez géantes. Pour preuve, c'est une statue qui date des années 1800. Elles sont carrément géantes. Je crois l'année c'est 1889-1894. Et pour preuve, en fait, dans la ville, dans les vidéos que vous avez pu voir de moi, vous avez vu qu'il y avait d'énormes statues de Abomé jusqu'à à Savalou. Donc on a carrément des grosses statues. Cette sculpture-là représente en fait, laissez-moi vous dire ce qu'elle représente, le trône de Kana, royaume du Dahomey au 18e au 19e siècle. Le bois, c'est du coraux et les pigments. Ce sont des collections qui ont été restituées. Donc, ce trône-là provient de Kana, ville sacrée du royaume située à une vingtaine de kilomètres d'Abomey. La capitale supérieure du trône représente le roi sous son parasol entouré de ses servantes. À l'étage inférieur, une fille esclave entravée évoque deux caractéristiques majeures du royaume. Sa politique expansionniste et l'avertissement des populations des régions requises. Donc là, c'est le trône du Kana. Cette statue-là, c'est plutôt, on va dire, c'est toujours dans la même optique. Hein. Donc les Béninois, ils font carrément des statues super géantes. Donc, c'est la statue anthropomorphe. Donc cette statue-là pourrait représenter le roi Gezo. Donc c'est la grande statue. Merci. Donc ici, c'est les ricades. Donc c'est des sortes, je ne sais pas ce que c'est que les ricades, mais c'est un attribut en fait de pouvoir. Ici, c'est des métiers à tisser. Ah, c'est un peu comme chez les baoulés, vous voyez un peu les trucs qui permettent de tisser. Ça. Je vais lire là. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Donc, Eloge. J'arriverai pas, il est né à Cotonou, en République du Bénin, en 1977. Eloge. Ouais, l'autre nom là, j'arrive pas à prononcer. Hein. Désolé, les gars. Ça, c'est Baba. Ouais. C'est tout le temps. La reine et sa cour. C'est le temps responsable de famille. Mito, qui folie dessous. Ah, dessous, on a mis dessous. C'est né en 1978. Ça là aussi, viens me prendre. Ah, c'est le vaudou. Les gardiens au peigne. Des esprits, le retour des esprits, Julien César, une sous la toile. La référence. Demain, je retourne. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Là, il est à Jovi. Il est en 1990. Là, il est à Jovi, est une artiste franco-béninoise. Voici l'affiche de l'Expo en fait. Malaika de tout son repas. C'est dangereux. Mamie va rentrer dans le monde. Non, c'est bien. Aïe, aïe. Hein? La
J'ai rien à dire. Bon les gars, comme quoi, faut forcer le destin. J'ai pu visiter un peu. Je retourne. Merci. Donc, j'ai pu voir ce qui se cachait dans le musée. C'est vraiment extraordinaire. Au début, j'étais découragé. Le monsieur m'a chassé comme n'importe quoi. Il dit, sors ! Mais après, le monsieur est infiltré avec des Béninois et je suis passé. Ça, c'est le palais présidentiel. C'est énorme. Hein. C'est énorme comme palais, quoi. C'est vraiment l'architecture de malade. T'aurais dit un hôtel grand 5 étoiles ou 7 étoiles. Regarde. Le monsieur, il a construit. Hein. Et tout ça, en fait, c'est gratuit jusqu'au 22 mai. Moi, je pense qu'après le 22 mai, ça sera en fait payant. Je pense vraiment que l'expo sera payante après le 22 mai. Donc moi, mon vol, il est prévu pour demain. Demain, je retourne à Abidjan. Et voilà, là, j'ai pu visiter le musée. On va dire, avec beaucoup, beaucoup de chance, quoi. Beaucoup, beaucoup de chance. C'était pas évident, en fait. Si j'étais comme la dernière fois, la première fois, on m'a mis out, on m'a mis dehors. La seconde fois, ça allait se passer pareil. Hein. Je suis venu un peu limite retard, quoi. Et eux, en fait, ça badine pas. La sécurité ici, c'est autre chose. Non, mais laisse tomber, quoi. Mais